Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Pour être tout à fait honnête, je ne comptais pas sortir ma caméra aujourd'hui parce que la journée a extrêmement mal commencé. J'étais d'une humeur massacrante jusqu'à 5 minutes en arrière. Il a neigé 10 bons centimètres de neige cette nuit à Annecy. Entre en plus genre 5h et 7h du matin, donc de la neige très très dense, bien tassée. J'ai galéré à sortir du garage pour emmener Inès à l'école. À l'école, il y avait des voitures partout, c'était compliqué, bon bref. Je fais hyper gaffe, je roule doucement, je prends mes distances avec toutes les voitures qui sont devant moi. Tout le monde fait à peu près pareil, donc bien. Et vraiment, 50 mètres avant d'arriver à la maison, même pas 50 mètres, il y a une voiture qui m'est rentrée dedans au rond-point. Une voiture qui, de toute évidence, ne devait pas être si proche de moi avec une telle quantité de neige. Une voiture qui aurait dû prendre ses distances. Donc je me suis énervée contre le monsieur qui était bien désolé, qui m'a dit « Ah, j'ai mis un gros coup de frein, du coup ma voiture s'est pas arrêtée. » Ben ouais, je pense que ça sent que je suis encore un peu remontée. Bon voilà, le constat amiable, lui, ça avait pas l'air de l'intéresser, il aurait voulu qu'on fasse ça entre nous. J'ai dit non, on fait un constat. Et puis bon, il neigeait comme le poing, donc c'était vraiment pas le moment de faire un constat en plein dans la rue. J'avais pas envie non plus de l'accueillir chez moi, enfin bon bref, pour toutes les raisons évidentes de la situation sanitaire actuelle. Donc je me suis chargée de faire le constat moi-même, de lui envoyer par mail et de lui dire vous le contresignez. Il a encore repris des éléments pour essayer de renégocier. Je suis restée ferme, j'ai dit non, en fait voilà, moi j'étais à l'arrêt, vous m'êtes rentrée dedans, il n'y a pas d'autre solution que de faire ça quoi. Donc voilà, ma voiture n'a rien de, en tout cas rien de visuel, je vois rien de cassé, mais je sais pas ce qui se passe derrière le pare-choc, donc voilà. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis sur l'idée de faire un vlog ou pas, c'est que je viens de recevoir des fleurs. Et ces fleurs, elles viennent pas de la part de n'importe qui. C'est la petite dame dont je vous ai parlé dans un précédent vlog que j'ai secouru, c'est un grand mot, dans la rue il y a quelques semaines en arrière, qui m'a demandé mon adresse et qui voulait absolument m'envoyer quelque chose pour me remercier. J'ai beaucoup insisté en disant non, c'est pas nécessaire. Mais elle a insisté pour me dire que si, elle voulait absolument m'envoyer quelque chose. Elle m'a envoyé des fleurs adorables avec un petit mot et voilà, ça vient de me remonter le moral instantanément. Je pense qu'il me fallait que ça pour passer une bonne journée. Surtout que le reste du programme de ma journée est cool, mais oh là, cet accident, enfin cet accrochage, c'est pas un accident, vraiment j'étais à l'arrêt, lui est arrivé à 10 km/h, pas plus. Donc il s'est rien passé de grave, mais pff, ça m'a mis complètement dans le jus dès le matin. Donc ces fleurs me font extrêmement plaisir. Et je suis très touchée qu'elle ait pris le temps de faire ça parce que je me doute qu'elle doit pas être encore en grande forme. Elle doit être encore un peu secouée par ce qui lui est arrivé. Donc c'est vraiment adorable. J'essaierai de vous faire des petits plans dans la rue tout à l'heure pour vous montrer la neige. Parce que c'est, voilà, au-delà du fait que j'ai eu un accident, c'est féerique. J'ai envoyé Inès du coup avec la fameuse tenue de ski que je vous montrais dans la précédente vidéo. Avec une tenue de rechange dans le sac, etc. Elle était hystérique et je pense que les enfants vont passer une très très bonne journée aujourd'hui et peut-être un très bon week-end si ça continue comme ça. Je me disais bien que ces fleurs étaient très belles et en effet, elles viennent d'un de mes fleuristes préférés à Annecy qui s'appelle La Canopée. Bah en plus de ça, elle a très bon goût cette dame. Vous ne rêvez pas, je me suis changée parce que je pars au yoga. Le yoga, j'y vais souvent soit en soirée, il y a un cours le lundi à 18h45, soit le vendredi, il y a un cours à 12h15. Et bon bref, dans l'organisation de ma semaine, cette semaine ça m'arrangeait bien d'y aller le vendredi. Faire du yoga le midi ou le soir, c'est assez différent, enfin c'est même très différent parce qu'après il faut poursuivre sa journée. Et d'ailleurs Caroline, ma prof, adapte souvent le cours en fonction de ça. C'est très très différent d'une semaine à l'autre et ça dépend vraiment de l'horaire auquel vous y allez. Je vais retrouver là-bas ma copine Jeanne que vous avez déjà vue dans un vlog. Jeanne, elle est podcasteuse. Et elle habite sur Annecy depuis un an et demi environ. Elle suivait mon blog auparavant, puis on s'est rencontrés et on est devenus amis. Donc je lui ai proposé de venir au yoga avec moi ce midi et on devait se voir cet après-midi. Donc voilà, c'est l'occasion du coup de partager cette séance de yoga aussi toutes les deux. Alors maintenant l'hésitation, c'est la tenue. J'ai pas beaucoup de route à faire, j'y vais à pied. Est-ce que je mets mes moon boots avec mon legging et mon pull de sport? Ou est-ce que je fais la belle et que je mets mes jolies baskets au risque de me casser la gueule sur la route? Non, je pense que je vais jouer la carte de la sécurité. Je vais mettre mon manteau habituel, mes chaussures montantes. Et puis je vais essayer de vous montrer la neige dans la rue. Je descends les poubelles aussi. Que j'éteigne cette bougie aussi. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je ne crois pas l'avoir fait en vlog. C'est la bougie Glossier du kit de Noël. Vous avez dans le kit une bougie et des petites boules de bain. C'est la même senteur que l'huile de douche. Et la crème pour le corps, donc ça sent la fleur d'oranger, c'est un délice.
Je crois que c'est une édition limitée, donc si je vous mets un lien s'il est encore, si le kit est encore disponible. Si vous aimez la fleur d'oranger, vous pouvez pas passer à côté. Et donc ne tardez pas trop parce que je pense qu'après les fêtes, il y en aura plus. Un petit aperçu de la neige. Ce matin, c'était plus ça et pas tassé. Et puis là, oui, c'est nettement plus tassé. Mais je crois que vous voyez les routes, hein. C'est quand même pas très rigolo. Bon, du coup, je suis en tenue d'inuit pour aller au yoga. Ma copine Jeanne vient de partir. On a donc participé au cours de yoga ensemble. C'était génial. Et Jeanne n'avait pas fait de yoga depuis un moment. Et elle a beaucoup accroché avec le style de Caroline. Donc, il est possible qu'on se retrouve à d'autres cours l'année prochaine. Et moi, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé mon cours. Je voulais vous montrer avec quoi je pars à mon cours de yoga, justement. Vous pouvez bien sûr emprunter un tapis que Caroline prête aux élèves si vous n'en avez pas. Vu les conditions sanitaires actuelles, il est quand même mieux de venir avec son propre tapis si on en possède un. Donc moi, je viens avec le mien, qui est de la marque Lolé, que j'ai depuis... Je vais dire 10 ans, mais si ça n'avait pas 10 ans, ça fait 8 ou 9 ans. Je l'avais acheté en vente privée, il m'a coûté 3 fois rien. Depuis, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai essayé de me procurer d'autres tapis. J'en avais acheté un d'occasion, etc. Je les ai tous revendus et je suis toujours restée avec celui-ci parce qu'il est, parfait. Il a juste le bon amorti, il a la bonne épaisseur. Je ne sais pas, il fait 2-3 mm d'épaisseur, donc il y a un peu de rembourrage, un peu de confort. Pour autant, il agrippe bien, vous ne glissez pas dessus. Il a la longueur parfaite, vraiment je l'aime beaucoup. Et je le transporte dans une housse de chez Lolé aussi, que j'ai depuis très longtemps. Pareil, j'avais dû l'acheter en vente privée. J'ai un petit chiffon ici pour pouvoir le nettoyer. Et voilà, c'est un sac qui passe en machine, qui est vraiment parfait. Et puis à côté de ça, je pars avec de l'eau. Alors, pendant les cours de yoga, personne ne boit d'eau. Personne. Les gens autour de moi ne boivent pas d'eau. Je pense qu'ils boivent avant ou ils boivent après. Moi je bois avant, je bois après, mais j'ai toujours soif. De toute façon, j'ai chroniquement soif. Donc je bois même pendant le cours. Alors j'essaye de pas boire une bouteille entière, donc je pars avec une petite bouteille. Ça, ce sont celles de la marque Monbento, j'en ai deux, je les aime beaucoup parce qu'elles sont petites. Je sais pas, ça doit faire 25 centilitres, pas beaucoup plus. Mais je suis toujours obligée à un moment donné de boire pendant le cours parce que j'ai toujours soif. Et j'emmène ça. Ça, c'est un petit tapis que vous pouvez mettre sous vos coudes, sous vos genoux. Moi, je n'en ai qu'un seul parce qu'en fait, faut croire que j'ai les genoux fragiles. Je sais pas, mais j'ai parfois mal aux genoux quand il faut tenir une posture pendant un moment et qu'on est en appui sur une seule des deux jambes. Donc, je glisse ça sous mon genou. Et parfois, je le glisse sous ma tête quand on est dans la période de relaxation, méditation à la fin de la séance. Ça coûte 3 balles chez Decathlon. C'est fabuleux. Vous pouvez en acheter deux si vous avez vraiment les deux genoux fragiles, si vous avez des articulations un peu sensibles. Moi, je n'en ai qu'un du coup que je place sous les coudes, pas forcément, mais plus sous les genoux. Et voilà, je l'ai toujours dans mon sac parce que je l'aime bien. Et à chaque fois que je l'utilise, on me demande d'où il vient. Voilà, donc ça se trouve chez Decathlon et ça coûte 3 fois rien. Il se remet à neiger. Je sais pas si c'est de la neige ou de la pluie. Vous savez, de la neige un peu lourde, je sais pas. Mais de là où je suis, j'arrive pas trop à me rendre compte. J'espère que je vais pas galérer pour aller chercher Inès à l'école tout à l'heure. J'espère que je vais pas avoir un deuxième accident. J'ai envoyé mon constat à l'assurance. Bon, ça a vraiment rien de grave, mais oh, ça m'a plombé le moral ce matin. Puis alors, je déteste être dans cet état d'esprit hyper négatif. Alors vraiment dès le matin, parce que l'accident, je l'ai eu à 8h26. Donc autant vous dire que c'était très tôt. C'était nul, nul comme façon de démarrer la journée. On rentre de chez mes parents. On va essayer de pas tomber. Je leur ai fait leur vaccin contre la grippe. Faut que je m'occupe de faire le mien la semaine prochaine. Entre temps, la nuit est tombée. On va aller rechercher la voiture qui est par là-bas. On va aller se mettre au chaud. Heureusement que les bottes sont imperméables, hein, comme vous pouvez le constater. Et voilà, fin de journée. Au moment où je filme, demain c'est le week-end. On a pas mal de petites choses de prévues. Toujours le cours de natation d'Inès. Demain c'est l'anniversaire d'une de ses petites copines de classe. Le petit point Neroli Box, comme toujours je vous laisse dérouler la barre d'infos pour connaître les conditions pour participer et tenter de remporter une boîte pleine de belles choses. Et la question du jour, si tu devais vivre dans une autre ville de France, laquelle choisirais-tu? Et dans une autre ville du monde. Alors en France, je crois qu'en numéro 1 je mettrais Biarritz, même si je suis consciente que je rattache cette destination à une destination de vacances et que je ne suis pas persuadée que je m'y plairais toute l'année. En fait, j'en sais rien, mais c'est vraiment la première ville à laquelle je pense. Sinon, je repartirais volontiers à Lyon, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 7 ans et c'est vraiment une ville que j'adore. Donc voilà les deux que je citerais. Et dans le monde, bah comme beaucoup de personnes, genre New York, Londres, enfin des grandes villes comme ça, ça me plairait bien. Ou une belle ville en Italie, peut-être en Toscane ou quelque chose comme ça. En tout cas, je me verrais
en Europe, en Amérique du Nord et peut-être pas en Asie. Voilà pour le vlog du jour qui a mal démarré. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.